Salut les amis, c'est Ekaïs et aujourd'hui on se retrouve pour une big vidéo les amis, une vidéo extrêmement spéciale parce qu'aujourd'hui nous sommes sur Jump Assembly, un nouveau jeu mobile les amis qui vient de sortir, pas encore accessible chez nous malheureusement et sincèrement c'est un jeu de fou malade. Le jeu est de type MOBA pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un MOBA, c'est League of Legends ou Pokémon Unite, ok, t'es en 5 contre 5. Et ton objectif, bah, du coup, c'est de te taper dessus et de taper le Nexus adverse. En gros, ils ont comme une base en face et ton objectif, c'est de détruire la base, ok? Et du coup, ils ont décidé de faire ça, les frères, avec des mangas. Enfin, avec du manga. Donc, en gros, c'est un MOBA 100% manga. Donc, tu vas y retrouver du Goku, du Sasuke, du Naruto, du Luffy, du Ichigo, du... Bon, bref. Là, pour l'instant, dans la bêta fermée, on a quand même 8 licences disponible, donc ça c'est vraiment pas mal avec beaucoup de personnages. On a aussi Gaara, bref, plein d'autres personnages. Au niveau des licences, il y a du Dragon Ball, il y a du One Piece, il y a du Naruto, il y a du Bleach, il y a du Mashle, il y a du Kimetsu no Yaiba, il y a du... Oh là, bon bref, il y en a d'autres les amis, de toute façon on verra bien dans cette vidéo. Mais ouais, il y a 8 licences, donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et on va pouvoir tester ça bah, du coup aujourd'hui en vidéo. Les amis, comme d'habitude, on n'oublie pas de bombarder la barre de pouces bleus. Je veux 1000 pouces likes pour cette vidéo les frères. Et on vous fera d'autres vidéos sur Jump Assembly. Tu sais quoi, on atteint 1000 pouces likes. Je vous fais une vidéo tuto comment installer le jeu. Parce que je pense à mon avis, il y a moyen que vous puissiez bah, du coup y jouer. Donc les frères, si jamais vous kiffez et que vous voulez bah, du coup tenter de jouer au jeu, bah, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et on vous fera un tuto. Je sais que le frérot Kaku a fait un tuto, mais n'hésitez pas à me dire. En tout cas, nous, on fera ça avec plaisir. Bon, les amis, nous sommes sur le jeu. Bon, là, du coup, c'est l'interface, c'est l'accueil où tu vas pouvoir, bah, du coup, choisir si jamais tu veux jouer en arena normale, ranking, store, Dragon Ball Battle. Bon, bref. Là, pour l'instant, moi, je découvre le jeu, hein, absolument, les amis. Donc, il y a des choses que je ne saurais pas vous dire. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est quand même vous montrer du gameplay aujourd'hui. Les personnages disponibles, les personnages que tu peux débloquer, plus tu joues, plus tu pourras débloquer. Il y a un système aussi d'invocation, donc on va invoquer bien évidemment avant de lancer la ranked d'aujourd'hui. Les amis, aujourd'hui je ne suis pas seul les frères, aujourd'hui je suis avec le grand et l'unique Kaku TV. Mais wesh Mello, qu'est-ce que ça fout? Ça va frère, merci pour l'invitation, ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Aujourd'hui on représente la team Kaïs, demain on verra. On verra avec la sortie de Jump Assembly, la sortie Ultra Rumble, on sait jamais. Ah, ok, je vois, tu veux déjà parler du jeu Emacha, c'est ça? Ah frère, c'est une dinguerie. C'est vrai, les gars, on aurait voulu vous faire une vidéo, mais malheureusement là pour l'instant les serveurs sont instables. Donc du coup, on décale la vidéo à demain. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui là on est concentré sur Jump Assembly. Il y aura des invocations comme je l'aurais dit, Kaku. Et oui. Je leur ai parlé aussi en introduction que tu as fait un tuto pour installer le jeu. Et si jamais bah, du coup on atteint les 1000 pouces likes sur cette vidéo, je leur ferai une vidéo explicative sur ma chaîne. Mais en tout cas les amis, je remercie de ouf Kaku, grosse mention à lui frérot, parce que sans lui bah du coup j'aurais pas eu accès au jeu. Donc je le remercie de ouf. Je le mettrai le lien de son Twitter dans l'espace description si jamais vous voulez avoir des informations sur les prochains jeux mobiles qui vont sortir ou les jeux mobiles en cours et tout, etc. C'est Kaku TV qu'il faut suivre, donc il est avec nous aujourd'hui, et ça fait extrêmement plaisir. Ça fait plaisir d'être introduit comme ça. Ah bah, les gars, il a dit 1000 pouces bleus, moi je vous propose minimum 2000 pouces bleus. Wesh, calme-toi. Oh les gars, on est dans le prochain jeu mobile et c'est Kaïs qui le présente. Les gars, minimum 2000 pouces bleus. 2000 pouces bleus. Et ça a malade les gars, il est trop chaud. Et les amis, on n'est pas seul encore. Parce qu'on est avec Kaku, mais on est aussi avec un homme qui maîtrise Goku à la perfection. Les frérots, s'il vous plaît, derrière l'écran, on est avec Elwing. Ça va ou quoi, Elwing? Merci, bien le bonsoir à tous. Et encore une fois, merci pour l'invitation et merci d'être ici. C'est vraiment excellent et j'espère qu'on va faire des bonnes games. Ouais. C'est le principal. En gros, les gars, je vous propose dans cette vidéo une ou deux games. En fait, les gars, je vous explique un petit peu les games. C'est pas comme du LOL ou autre. Les games sont relativement rapides, mais ça peut être long. Donc ça va vraiment dépendre, mais dans notre équipe, on a un Usopp de zinzin, les frères. Il est tout le temps MVP. Pour ceux qui ont suivi le live, savent très bien de qui je parle. C'est une dinguerie son personnage. Mais aujourd'hui, j'ai débloqué Sasuke. Donc on va utiliser Sasuke, donc on va voir ce que ça va donner. Mais je voulais leur montrer un petit peu les personnages qui est disponible.
Parce que moi je suis en totale découverte hein, les frères hein, je ne connais pas, c'est-à-dire les maps. Je sais pas à quoi sert le Dragon Ball Battle. J'ai vu dans le store que tu pouvais acheter des personnages, le ranking, arena, etc, etc. Donc là je suis à l'aveugle les frères. C'est Kakutivi qui va nous inviter pour de la ranked. Juste, je sais que on peut voir les personnages qui sont disponibles. Donc là pour le coup j'ai débloqué, si je dis pas de bêtises, j'ai débloqué 3 personnages. Donc j'ai Goku, j'ai Shinobu et j'ai Sasuke. Donc bah, nous on va utiliser Sasuke aujourd'hui. Après on a Megumi, Chopper et... Oh oui, on a débloqué aussi Ichida, mais on a Megumi et Chopper qu'on a eu gratuitement également pour tester dans la ranked. Ouais non, il y a du One Piece, il y a du Mashle, il y a du Demon Slayer. Ouais ouais, en gros les gars, franchement c'est vraiment pas mal. Il y a aussi du Bleach et tout, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure en introduction. Du coup, moi ce que je vous propose avant qu'on parte en ranked... Moi, ce que je non, vous propose... non, frérot, petite parenthèse, désolé. Ouais. Les ranked, vu que mon elo est trop élevé, on ouais. pourra pas jouer ensemble. D'accord, ok. Bon, bah, c'est pas grave, on va quand même leur montrer des gameplay, enfin, du gameplay hors ranked, y a pas de soucis. Juste avant de lancer, du coup, une game, on va faire une invoque. L'objectif, c'est d'avoir le Goku SCJ. Apparemment, le Goku SCJ, c'est un stremon de ouf. Parce que là, le Goku qu'on a débloqué au début, en fait, on aura le choix entre 3 personnages: Naruto, Luffy. Et Goku. Et Goku du coup c'est la forme du coup Kyoken. C'est la technique du coup tu récupères. Mais sinon tu peux récupérer un personnage. Donc si jamais il y a un système ban du coup d'invocation, on peut avoir le Goku SCJ. Et le Goku SCJ c'est une dinguerie monumentale. À quel point il est trop fort. Hier soir en game on avait galéré de ouf. On a dû faire une dinguerie pour gagner. Mais bon, ça je vous spoil pas les frères. Normalement la vidéo devrait sortir. Mais est-ce que vous êtes chaud pour les invocations? Comme ça on commence par ça et après tu nous invites, c'est bon? Ouais, pas trop. Juste, oui. T'as combien de tickets là? Là, j'ai 8 tickets. Ok, tu vas garder le reste pour justement acheter le pass. Vu que c'est une bêta, le pass est disponible avec les cristaux bleus. Ok, ça marche. Vas-y tranquille. Allez, c'est parti, les amis, pour les Invocations, Celebration, Compilation. Une seule, les frères. En espérant avoir du lourd. Oh. Si il drop et lui, je rigole vraiment. Non, je crois pas. J'ai pas l'anime. Ok, du violet. Ouais, Ichida, je l'ai déjà. Donc là, j'ai eu un doublon d'Ichida. Allez, palmarès, il a gagné des billets supplémentaires. Waouh. Je crois qu'il y a rien. Je crois, les gars, il y a rien. Wesh. Deux Ichida. Ah, vraiment. C'est une blague, les gars. Mais c'est trop une dinguerie. Bon, dommage. Ça aurait été pas mal qu'on drop du lourd pour la vidéo. Mais bon, on a eu 2 Ichida, donc on a eu en doublon. Bah vas-y, let's go, tu peux m'inviter, frérot. Donc en gros, plus tu vas faire des games, plus tu vas pouvoir récupérer des matériaux, enfin dire des cristaux, qui vont te permettre de débloquer petit à petit les personnages de la bêta. Bien évidemment, là il s'agit d'une bêta, donc là il n'y a pas uniquement ces personnages. Lors de la sortie du jeu, ils ont prévu de sortir d'autres personnages. De toute façon, on verra bien ce que ça va donner, mais il va y avoir de grosses dingueries, ça c'est sûr et certain. Vas-y, moi je suis chaud, moi je suis ready. Let's go, on a trouvé une game. Après, il va y avoir Luffy Timeskip et tout, là. J'ai la flemme. C'est quoi Luffy Timeskip? Bah, c'est le Luffy. Le Luffy bah, de. Avec deux ans plus tard. Ah oui, 2 ans plus tard. Ah oui. Bon, du coup, là, en fait, là, ouais. Il est dispo, tu vois, dans les idées perso, mais il est pas encore débloqué. Ok. Mais quand on va le débloquer, oh là là. Apparemment, c'est une dinguerie. Bon, là, du coup, je prends Sasuke. Ouais. Sasuke, il a quoi comme particularité? Alors. Ok, en gros il y a des techniques les gars pour ceux qui... C'est vrai que là je vous fais la vidéo un petit peu à la When Again Beast to Fly, c'est-à-dire parce que là je découvre en même temps que vous. En gros c'est chaque personnage que tu vas sélectionner ont des compétences. Ok? Donc ils ont des compétences tout etc. Et du coup c'est avec ça qu'ils vont te permettre justement de jouer ta game. Et de taper du coup les tourelles et de taper les personnes adverses. Appuie sur le skin là, à droite. Oh là là. Donc ouais, ça c'est disponible dans le season pass. Il est stylé. Non, en fait lui tu le débloques quand tu up le perso. D'accord. Ok. Donc là on a Luffy, Usopp. Franchement on a une team pas mal hein, non? Ah ouais, c'est une free win. C'est une free win à ton avis? Ah ouais. Ah frérot, je suis nul hein. Non mais c'est une free win, leur team elle est éclatée. Ça regarde, ça se voit que nous on n'est pas chez eux frérot hein. Parce que le jeu les gars, je le répète, il est uniquement disponible aux Philippines. Nous on s'est incrus dedans. Et on est des pirates, au niveau FPS, c'est vraiment dur hein. C'est vraiment très dur. Ok.
Donc bien sûr, regarde à gauche, en fait en haut à droite, en haut à gauche pardon, t'as la map, en bas t'as les équipements. Les gars, je découvre hein. Donc du coup, si jamais vous me voyez faire de la merde, c'est tout à fait normal. Donc moi avec Sasuke, je dois aller où les gars? Jungle. Jungle. Sur les côtés en fait. Ouais, ouais, tu vas jungle. OK. Ah ouais, mais t'as pas pris la compétence de Ah, tu peux faire sans Kaku, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, mais tu perds un peu de temps, mais tranquille, à l'aise. Qui ? Pour la prochaine. Toi ? Ah ouais ? Mais moi, je sais pas, frère. Donc là, en gros, j'ai débloqué une compétence pour pouvoir attaquer. Vous avez vu, il y a un cooldown. Déjà, je pourrais utiliser mon attaque. Wesh, déjà ? Déjà avec Gaara ? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il a fait n'importe quoi, il a fait n'importe quoi. Là, Sasuke, il est trop fort. Donc moi, là, mon objectif avec mon personnage, c'est que je vais faire la jungle, c'est-à-dire moi, je tape les mobs au milieu. Après, ça aurait été plus intéressant dans la vidéo que j'aille. Faire aller top ou... Ouais, bah après, du coup, là, je vais faire la jungle et après, je vais rejoindre les frérots. Donc, regardez en haut à gauche, ça se tape entre mes mates. Et. Donc là, je peux débloquer Banks. C'est bon. Donc, moi, mon objectif, c'est de gagner de level dans la jungle. Je répète, hein, les vrais, parce qu'il va y avoir des personnes qui vont jouer à LoL, qui jouent à LoL ou qui jouent à Pokémon Unite. Ils vont être outrés par ma manière de jouer. Les gars, je ne connais pas hein, les frères, je découvre en même temps que certaines personnes d'entre vous. Je pense que je vais... Hop là. Il y a quoi d'autre à dire? Bah du coup, il y a trois techniques. Plus tu vas monter de level, plus tu vas débloquer des techniques. Plus tu vas monter de level, tes techniques également déjà disponibles. Mais déjà? Mais les gars, on... Vous avez déjà détruit une tourelle? Attention, il a son objectif, les gars. Vas-y, tue-le. Bien joué. C'est bon. Non, y'a personne qui a détruit de tourelle, t'inquiète. Ok, là on a tué Sasuke, on t'a vengé, Gaara. Oh, c'est pas grave, t'inquiète, je suis mort pour la cause. Ok, je vais continuer à me taper jungle. Vous me dites, hein, quand vous avez besoin de moi. Au vu de la gueule de mon support, j'aurais besoin de toi. Hein. Il va commencer à feed. Je suis au top. Vas-y, j'arrive. Voilà, il commence à donner des kills. J'arrive, frérot. J'ai pas encore mon ulti. Hein. Vas-y, j'ai mon ulti. Oui, bien joué ça. Oui, bien joué ça. Double kill. Je vais mourir, frère. Vas-y, push avec moi. T'inquiète, viens. T'inquiète, fais confiance. Il y a le Megumi, le Sasuke, les gars qui arrivent sur vous. Recule, on commence à reculer. Ok, c'est bon. Moi je retourne. De quoi tu... Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit ok, c'est bon, tranquille. Ok. On a bien push. C'est bon, les gars. Oh là là. On les a montés en l'air. Vas-y, on prend la tourelle. Fais, ah non, non, attention. On l'a. Retourne-toi. Oui. Je rentre dans la base. Ah, vas-y. Je rentre dans la base parce que là, c'est la merde. Là. En gros, après, avec le recall, du coup, ça me permet d'aller dans la base pour récupérer mes PV parce que je suis low. Oh, Sasuke, il est trop fort, frère. Je t'ai dit, c'est un perso débile, hein. Je récupère des items et tout, j'achète des items. Ok. Il pète sa mère, le jeu. La vérité, il pète sa mère. Est-ce que t'as besoin d'aide au middle, Gaara? Hein, Gaara? Non, c'est bon pour l'instant, bon, t'inquiète pas. Bien joué, ça vous sop. Donc là, on continue à notre ascension, les amis. T'as besoin d'aide? Vas-y. Oh là là, frérot, il est trop fort, Sasuke. Il est trop fort, frérot. Vas-y, on fait le tour au top. On fait l'asset au top. Fais gaffe, frérot. Non, recule. Gaffe au top, ça va arriver, les gars. Ouais, ça arrive, frérot, viens au top. T'inquiète. Moi, il faut un mob pour pouvoir monter le level. Viens avec moi. Viens. Faut que je récupère mes PV, frérot.
Oh putain. Barre-toi. Tu penses? Je l'ai mis mid-life. Ah oui, mais... merde. Mais j'ai mon ult. Vas-y. Vas-y. Oh là là, non, je suis mort. Bien joué. Dommage. Oh frérot, on les a éclatés, frère. Dommage. Mais t'inquiète, hein. On les a éclatés. Oh, je suis dégoûté, frérot. En fait, vraiment, j'ai mis du temps à utiliser mon heal. J'aurais dû heal direct. Comme ça, du coup, ça m'aurait évité de mourir bêtement comme ça. Oh, dommage, les frères. Eh là, c'était une dinguerie. Alors, les gars, dans l'espace commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez et tout. Faut me dire un petit peu ce que si vous kiffez un petit peu le style de jeu. Franchement, je trouve ça hyper original qu'ils aient fait ça pour tous les mangas. Et j'ai hâte de voir l'évolution du jeu parce que je pense qu'à mon avis, niveau compétition, compétitif, ce jeu, il peut être incroyable. Il peut vraiment être incroyable. Et en fait, ce qui est bien concrètement, c'est que ils se sont pas seulement focalisés sur une seule licence. Ils se sont pas freinés sur cet aspect-là. Là, ils ont bien fait d'avoir mélangé toutes les licences. Ça va leur créer une longévité du jeu. T'inquiète. Ah ouais, je me suis fait ouvrir en vain par Ichida, frère. J'étais en 1v2. Ah, dommage. J'étais en train d'aider mon support. Tue-le, Onizuka. Il est le HP, Onizuka? Gaara. Onizuka? Non, en gros, il s'appelait Onizuka le Pelo. Bien joué, Gaara. C'était Ichida. Bien joué. Ça y est, frérot, ça y est. Là, je suis mort bêtement, tu vois. J'ai tenté un 1v2. Je pensais avec mon ult, je pouvais le faire, mais pas du tout. En fait, c'est dur à prendre en main sur téléphone. Je suis niveau 6, faut que je monte de level. T'es déjà level 8. Oublie pas, frérot, que pour justement te permettre d'aller en 1v2, faut que tu utilises ta deuxième compétence qui te donne du shield. Hein. C'est laquelle? Qui fait des dés. C'est le move? Ta deuxième compétence. C'est ouais, move, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai fait ça. Ok. J'ai fait, mais malheureusement, en gros, j'aurais dû faire ça en prompts et après faire l'ult. Je pense, parce que je l'ai fait bien. Non, justement, tu commences avec l'ult. En fait, ton ult, il va soit stun, soit ralentir. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment fait ça, et même comme ça, frérot. C'est parce que t'avais passé stuff. Du coup, pour faire les dégâts. Ouais. Aïe. Bien joué, ça. Je pense que les gars, on peut les achever là. Là, on est en 24-9. Ça fait 7 minutes de game. Je pense qu'on peut les achever, les frères. Je suis niveau 7. J'arrive t'aider. Ouais, tout mort, comme un débile, dommage. T'es mort? Ouais, je suis mort, j'ai crit, je voulais taper la tourelle, mais... Vas-y, tranquille. J'étais à un HP. Tu vas crever. Je sais, mais Chida, il est trop fort, frère! C'est trop une dinguerie! Je me suis dit avec le shield et tout, je vais gérer. En plus, ça, j'avais le heal pareil. Putain, c'est trop une dinguerie, frérot. En gros, les gars, le gros problème que j'ai, c'est que j'ai pas encore les réflexes des joueurs qui jouent au MOBA. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai 0 heure sur LoL. J'ai des heures sur Pokémon Unite, mais c'est totalement différent. En vrai, de vrai, c'est totalement différent. C'est pas la même, tu vois. Putain, je leur donne des kills pour rien. Je suis mort 3 fois, frère. Legendary. Normalement, les gars, là, on peut les taper, hein. Oh, les dégâts, frère. Oh là là, j'ai trop mal joué. On les a tapés. Ouais, ça, c'est encore la faute d'Eloui, mais c'est bon, tranquille, on pardonne. T'es d'accord, Eloui? Merci, gros seigneur. Ok. Your turret has been destroyed. Comment ça on a détruit une tourelle, elle a été détruite, wesh? Non, c'était la tourelle du mythe. Bah ouais, on y était. Non, elle était pas encore détruite. Okay. Mais ah, ce jeu là en 5 stack, frère, ça va être une dinguerie. Ah, de ouf. Celui qui a le moins de kills, il paye à Gaï ou Ichida, frère, il me saoule. Non. Punaise, je l'ai pas tué. Oh là là, Ichida. Frérot, c'est vraiment Ichida. La tête, c'est Ichida, frère.
Oh le petit, je l'ai monté en l'air le petit. Par contre, faites gaffe là les gars, ils commencent à avoir les deux boss. Non mais c'est bon, on va terminer. Non, ils vont pas les faire. Oh, je les avais montés en l'air les frères, je vous jure. En 1v2 en fait, ce jeu c'est compliqué de fou. Ou alors je suis mal stuffé. Ou je crois que c'était un ennemi. Oh là là. Tu vois. Ah, j'ai même pas pu le prendre, je suis en 5. T'es niveau combien? T'es niveau combien? Je suis niveau 8. Ouais, oh, frère, faut. Bah ouais, faut je farm, frérot, je farm. Bah ouais, je farm. Je sais pas trop où je dors, quoi. Ouais, mais faut pas être lent comme ça, Kaïs. Okay. Je pense, à mon avis de toi, Ichida, il sait pas manger stun. Regarde, Ichida, frère, en face, il fait tout. C'est l'Ichida en face, il fait tout. Oh punaise de pomme de terre. Chab Ichida, chab Ichida. Viens. Viens Ichida, viens. Viens frère. Il est là frère. Ah, ils sont en train de taper l'autre Zaru, frère. J'arrive. C'est bon, ils sont morts. Non. Ils sont morts, Vas-y, on va aller au milieu. Vas-y, je cavale. Viens. Oui. Non. Je meurs pas, c'est bon. C'est bon, je meurs pas. Oh le bâtard, frérot. MDR, bien joué la revenge. Oh là, il m'a balancé des bananes ce chien. Oh, j'ai trop le seum, comment je suis mort. Bien, wesh. J'ai plus de mana, frère. Ah, vous êtes déjà level. Aïe. Oh, je t'ai fait monter en l'air. Bah, j'étais à 1 HP, frère. Ah, ouais, Goku et tout. Tu sais que là, on galère un petit peu à les taper, hein. Après. Non, on galère pas. On va pas la lose, hein. Comment tu veux qu'on la perde? Ah, on sait jamais, frère. Non, impossible. Niveau 10. Impossible. J'ai un train de retard par rapport à vous, les gars. Après, je leur donne trop. C'est parce que tu meurs beaucoup trop. Ouais, ça. Mais frère, ils me prennent à deux à chaque fois. Ça veut dire que moi, je comprends pas comment ils me prennent à deux et que vous, vous prenez pas leur tourelle de leur côté. Notre Luffy, il fait rien en fait. Ah non, mais notre Luffy, il peut pas. Enfin, il rush. Regarde, là, y'a plus de tour sur la map en fait. On a déjà pris toutes ces T2, il reste plus que les. Ouais, mais attends, mais. T3. Vas-y, je vais l'aider en bas, frère. Je vais l'aider en bas alors. Parce que en vrai de vrai, moi je comprends pas comment on perd contre ça. On est pas en train de faire, non. Mais on est Tu sais que là il y a 38-21, ils ont coupé de tout. Non, Goku. Oh là là, je suis mort. Oh, ils m'ont pris à 3, ouais. Frère. Mais comment c'est possible qu'ils me prennent à 3, frère? Parce qu'ils sont attirés, en fait les joueurs sont, enfin, là j'ai l'impression qu'ils sont attirés par les adversaires, automatiquement. Mais c'est pas ça. C'est en gros, vous êtes, en fait on est 5. Eux ils sont 5. Et là j'étais en 1v1, comment c'est possible qu'ils ont le temps de venir en bas et nous on leur détruit pas leur tourelle en haut, c'est ça? Je comprends pas, frère. Moi je suis mort 5 secondes avant au mid, je me suis ouais, mis 3 c'est une dinguerie, je te jure. C'est une folie, frère. Et le Goku il est même pas bien joué, le double kill, Luffy. Enfin, frère, c'est une folie. Après, peut-être c'est moi, je plane les. Oh, je suis niveau. Bon. Oh là là, c'est des dégâts. Quand il chope, ça se fait, c'est finito. Ouais, mais c'est même pas une chope. Il met son ulti, frère, je comprends plus rien à ma vie. Je vois mes flashbacks carrément, frère. Ah putain, bien joué. Putain, j'ai utilisé mon ulti pour rien. Bon, les gars, on termine ou vous voulez continuer à prendre? C'est bon, allez, let's go. C'est bon, je tue. On y va, frérot. Même si t'as, il est en haut. Ouais, tu m'as pris quoi là? Non, c'est pas moi. On a pris une météorite. Là, c'est la météorite de Fumiko. Vas-y, c'est bon, on y va. C'est pas comme ça. On y va ou pas? Y'a le chien qu'on prend là. Wesh. C'est trop une dinguerie. Bouge de là, bouge. Oh, tu vas mourir, frère, tu vas mourir. Oh, frérot, comment est-on pris à 20, frère? Venez, on les attaque par en haut, on part en bas, on fait quelque chose. Vas-y, viens. On attaque par où? Par devant? Devant, là on les bute. 5 secondes avant Luchi, attends un peu. Maintenant? Vas-y. Justement, les deux. Allez, frérot.
Ça, bien joué ça. Bien joué ça le double kill. Il arrive Goku. Non mais on s'en fout, on dit. Y'a le... C'est bon frérot, bien wesh. Allez on y va. Y'a le Sasuke qui arrive derrière vous les gars. Y'a qui? Le Sasuke. C'est bon, non, c'est bon, mais... on a gagné. Bah, si let's go. Et c'était une... Oh, c'était un final de fou frérot, GG. GG guys. Bon les gars, y'a des personnes qui potentiellement derrière l'écran, ils vont dire wesh mais c'était quoi cette game les frères, oh là là. Mais en vrai de vrai, pour un début, sachant que le jeu vient de sortir, c'est vraiment pas mal. Oh, j'ai fait 8 kills, frère! C'est la première fois que j'ai fait 8 kills! Sasuke! Et il est trop fort, Sasuke, hein. Sasuke! Ouais, frère, vraiment fort. Mais je dis Sasuke! Par contre, t'es MVP, frère, encore. Je vous avais dit quoi en intro? Frère? C'est le Usopp le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Quoi? Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais une note à 4,1, j'allais péter un câble. Comment ça, c'est que t'as 12, Gaara? Et je suis en dessous de Luffy alors que Luffy était trop nul. Pourquoi j'ai que ça frère? Bah t'as pas assez de kills. Hein, parce que je suis mort assez de... Je suis mort trop de fois aussi. Ouais t'es mort trop de fois. Je suis mort trop de fois. Bah après ils me prenaient. En fait ils étaient malins parce qu'ils jouaient tout le temps à 3. Vas-y moi je suis chaud pour une deuxième pour la vidéo, moi je suis chaud. Vas-y, ah voilà les licences des amis de Jujutsu Kaisen, j'avais oublié de dire Undead Unlock, Jujutsu Kaisen, Mashle, c'était ceux que j'avais oublié du coup. J'aurais pu jouer à Mobile Legends. On m'a déjà proposé de jouer à Mobile Legends. Mais ça m'intéresse pas, tu vois. C'est pas un truc qui m'intéresse. Mais alors, imagine-toi, frère, là, du coup, là, c'est le jump. C'est-à-dire, c'est de l'animé, c'est du manga. Y a quand même des stratégies, les frères. Franchement, les gars, moi, je suis OP. Voilà. Moi, je suis chaud. Je suis chaud de night. Non, mais c'est une dinguerie. Ce jeu-là, si c'est bien géré, parce qu'on a quand même un peu peur, c'est DNA. D'ailleurs, les gars, hein, c'est pas les développeurs de Pokémon Unite, hein. Ceux qui développent Pokémon Unite, c'est Tencent et Chimmy Studio. Là, toi, tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit Freezer, c'est dangereux, et Sasuke, c'est dangereux. Ouais. Et Inoue, chez nous, c'est pas dangereux. Inoue, en soi, non. Et ça va pas être dangereux, vu qu'ils ont... Enfin, si, du coup, si. Ça va être dangereux parce qu'ils ont 3 persos qui frappent de loin. Donc là, moi, je continue à faire jungle et tout. Ouais. Ok. Et ça, à partir de quel level, moi, je sors de la jungle? Déjà, à partir du niveau 3-4. Hein. Pas à partir de ton ulti, ça serait trop tôt. Mais au moment où tu vas récupérer ton ulti, tu commences à décaler sur la ligne. Ok, ça marche. Ah, chaud, pas ça. C'est la petite transition, tu vois, sur le numéro, sur le chiffre qui est à côté de ton blaze de ta barre de vie là. Ouais. Quand tu vas commencer à up, tu vas avoir une petite barre jaune qui apparaît. Ouais. Et au moment où tu vas arriver à 90% de ta barre de vie, tu vas commencer à décaler sur la ligne. Ok. J'aurais dû prendre les bots les gars, vu que je suis en jungle, j'aurais dû aller plus vite. Ouais, en jungle, le mieux c'est de prendre les bots ouais, en early. J'ai voulu changer et tout parce que la première fois j'avais pris des bots. Et là, la prochaine fois je prends les bots les gars. Promis. Pour cette deuxième game. Là je suis niveau 2. Ah, c'est dur de viser frérot. Ok. Quand je fais EP de level, vous me conseillez quoi? Le move ou le damage? Moi je dirais le damage. Ok. Le damage. Comme ça tu clears plus rapidement les waves. Ok, ça marche. Parce qu'à chaque fois j'ai fait priorité en move les gars. Tout à l'heure. Mais en fait le move il va te servir pour les ganks, pour arriver rapidement sur la lane et dash directement sur l'adversaire. Tandis que ta compétence qui te permet de faire des dégâts va te permettre de farm plus rapidement et de récupérer de l'argent, tu vois. An enemy
has been slain. Ok, ça marche. Là, je suis niveau 4 là. Je fais quoi? Je vous rejoins, j'attends. Tu gères comme tu veux, tu peux gank, tu peux faire ton farm. En fait, ça va vraiment dépendre de comment vous m'appelez, tu vois. An enemy has been slain. Parce que vous êtes level combien? Je peux venir vous aider peut-être? Moi je suis niveau 4 personnellement. Vas-y, moi je suis niveau 4 aussi, mais y'a pas de chance chez nous. Ça arrive, ça arrive! Allez, dégage, Sasuke! Prends tes PV, frérot. Non, t'inquiète, je back, tu peux les prendre si tu veux. Vas-y. Allez, dégage, Sasuke. Je peux même push en mid si tu veux, tu peux taper les minions en mid. Ouais. Je l'ai, je l'ai allumé, frère. Moi je sais pas pourquoi il a fait ça en vrai de vrai, parce qu'il mourrait 100%. On l'a allumé, frère, t'inquiète. Ouais, c'est le principal. Ah, j'ai raté mon... Attention, mid, parce qu'il va sûrement arriver l'autre, tu vas prendre un stun sur la tour. Donc fais gaffe. Gaara, il est là. Si on peut le tuer, je le stun. C'est bon. Gaara mort. Ah, oh, je suis mort. Punaise. J'ai pris Gaara pour mourir, je suis dégoûté parce que j'étais dans la tour. Après t'as Sasuke, il m'a monté en l'air, frère. Ouais, c'est bon, je l'ai mort, je l'ai tué. C'est bon, tu l'as tué, bien joué. Ouais. Vas-y. T'as vu mon vieux corps là, putain. Ouais, bah, ça fait beaucoup de dégâts Sasuke, hein, dans tous les cas. Donc... C'est trop abusé Sasuke. Sasuke ouais. Mais là ça va, là pour l'instant la game elle est plutôt pas mal. Oh tu sais que là je suis trop... J'ai pas envie de m'arrêter les gars. Je sais qu'il y a la vidéo et tout, elle tourne. Mais j'ai vraiment pas envie de m'arrêter. La vidéo elle va faire une heure. Tu sais que je la mets brute comme ça, frère. Je la mets brute comme ça. Tu vas la mettre brute comme ça, direct. Comme ça, direct. Ah j'aime pas son sort de merde. Rampage. Les gars, vous me conseillez de quoi? Mana en first ou à dégâts physiques? Ça dépend de ton gameplay, après je te dirais des dégâts physiques. En fait, si tu spams beaucoup tes sorts, tu spams un de fou. Je te dirais la mana pour avoir un pool de mana et sinon de. Et est-ce que vous me conseillez de split un petit peu mon niveau? Genre damage et move ou que damage? Non, quand tu focus un sort, tu le montes à fond. Ok. Ça, c'est le plus important dans le jeu. Ok. Shut down. Ah bah y'a quelqu'un qui s'est suicidé au mid. Je suis mort contre un mob, je suis dégoûté. Ça c'est la honte par contre, Kaku. Ah quoi? Ça, c'est vraiment la honte ça. Ça va frère, je suis en 5-1. Je suis en 2-1. Fais pas trop le malin s'il te plaît. Aïe. Ah, désolé. Fais pas trop le malin s'il te plaît. Je suis en train de détruire la tour là-haut. Oh putain. J'ai pris la tour à l'eau mid. C'est vrai, t'inquiète. Ouais, je vais te KS. Ça va, t'inquiète. Wesh, comment ça, Luffy m'a tué? Frère, je suis niveau 6, Luffy, les niveau 5 qui m'a tué. Comment ça, c'est lui qui m'a tué, frère? Oh, j'ai tout. Frérot, j'ai tout utilisé. J'ai utilisé mon ult sur lui, j'ai utilisé mon move. Luffy, il peut soigner? Non. Mais frérot, dinguerie ce qui vient de se passer, il triche. D'accord. Mais non, il triche. Bah tu verras la vidéo frérot. Tu verras la vidéo frérot. Dinguerie ce qui vient de se passer. Moi je laisse les deux à un HP Kaku. Dégoûté. Sasuke... Oh non, il a un HP. Quand tu le tues, il a plus rien. Legendary. Yeah, ouais. Oh, dégoûté, je laisse les deux là, le Freezer et le Gaara, ils avaient pixel de vie. Trop nul, MDR quoi. Y'a Luffy qui arrive sur toi, Usopp. Tu viens? On arrive? Attends, ils sont under tower. Vas-y, viens. Regarde ce qui va se passer là. Voilà. Ouais, tu l'as allumé, frère. Tu l'as allumé? Eh oui. Oh non, il était à côté. Dommage. J'arrive, j'essaie de jouer aussi vite que je peux. Wesh. Non, c'est abusé. Frère, mais le fil est trop fort, frère. Putain, j'ai pas réussi à la tuer, l'autre. Elle s'est barrée. Putain. En fait, faut que tu sois réactif contre Luffy. Ce que tu fais pour counter Luffy, faut que tu balances d'abord.
d'abord ton move et après ton damage. Elle s'est soignée, frère, alors qu'elle était à 1 HP. Je suis dégoûté. Ok, d'abord mon move et après mon ult. Ouais, contre Luffy. C'est abusé, frère, Luffy. Il a pris trop d'XP sur moi, sur mes côtes. Bah, t'es son petit, hein. Wesh. Calme-toi. Excuse. J'ai pas fait exprès. Ouais, bien sûr, pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, oh là là. De le voler, c'est bon. J'ai tapé le pigeon, Ikeïs, hein. J'ai vraiment tapé le pigeon. J'ai pas un pigeon, frère. Viens, gars. Oh, se ramasse-liette, frère. Se ramasse-liette. Attends. An ally has been slain. Oh là là, c'est plus Ikeïs. C'est ramasse-liette maintenant. Arrête de rager. Mais dis-lui quelque chose, frère. Arrête. J'ai jamais vu un compte sans camp pareil. Vas-y, viens, frérot, viens. T'as dit quoi? Jamais, frérot. On est en train de monter en l'air ou pas? Bien joué, ça. Tiens, je te t-bag. Vas-y, on y va. Ah non, y'a Gaara. T'es bon, t'es prêt? Oh, bah, de toute façon, il est mort. Ah non, il a flash. Non, putain, il a survécu. Il a survécu. Ouais, il a flash, pas grave. Vas-y, je suis obligé de retourner en arrière. Ouais, vas-y, t'inquiète. Du coup, vous préconisez des items de soins pour augmenter les HP, d'augmenter les cooldowns? C'est un peu toi qui vois. Ça dépend. Attends. Ça dépend de leur compo. Mais vu qu'ils ont pas spécialement de tank à l'exception de Luffy, tu peux partir sur un full dégâts. Full dégâts et tu prends des items anti. Déjà pénétration. Oh là là. Ça arrive sur mes côtes. Qu'est-ce qu'il est chiant, l'ulti de Sasuke. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Eh, dégage toi, elle est folle elle. Elle s'enfuit, frère. Elle s'enfuit, frérot. Tain. Alors. Je vais prendre du crit, les gars. Du coup, vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on passe par en haut? Vous voulez qu'on passe par en bas? Parce que là, les gars, normalement, on les fume là. Ça arrive par en bas. An enemy has been slain. T'as kiffé le stun de la base ou pas? Et Louis. Putain, sa mère. Sa mère, ça, elle balance des trucs, frère, normal, putain. Mais trop forte, la meuf. Tu l'as, frère, tu l'as. Je l'ai pas, elle m'a stun, frère, elle m'a stun. Elle saoule. J'augmente quoi, là, par exemple, max HP? Ou j'augmente physical attack? Physical attack. T'as que de l'attaque, toi. Ouais, vraiment. Putain, je meurs comme une khrapa parce que je monte pas mes HP. C'est une dinguerie, frère, la meuf elle fait que mou, elle meurt jamais. Ouais, perso il va vite en plus. C'est trop une dinguerie, j'essayais de m'enfuir. Ouais, mais elle était niveau 10 aussi. C'est tricheuse là. Regarde, oh, Sasuke, il veut détruire la tour. Je vais le terminer. C'est de ouf. Il est où, Sasuke? Il était pas loin, Sasuke. Je sais pas, il est où, mais il était pas loin. Il est là. Sasuke est devant moi, les gars. Oh là là, ils étaient trop sur moi. Ah, sa mère. Bien joué, ça. Moi, t'as vu comment il essaie de s'enfuir? Il est ouf, lui. Oh, bien joué, ça. Viens, on les allume, tu penses? On est trop chaud, frère, bien wesh mon ref. Il y a Freezer qui décale sur vous. Ouais, laisse tomber. Moi je l'ai vu, mais je suis trop bas HP, frérot. Putain, dommage, frérot. Oh, comment on les a allumés. Oh, j'ai raté mon ulti. Zut. Allez, on fait une attaque groupée. Unstoppable. Mort, il me casse les couilles, ça se fout vraiment. Luffy arrive, wesh.
Wesh. Ulti, les 3 sont stun, ils sont tous stun, ils sont tous morts. Ah. Y'a wesh ça. Yagara, Yagara. Il est mort, Yagara est mort. Non, c'est moi qui ai l'aggro. Comment ça Ace? Il s'est passé quoi Ace? Ils sont tous les 5 Ace, ils sont tous... Ouais, ouais, ouais. Mais la dinguerie. C'est une dinguerie. C'est la dinguerie. Allez frère, on go la win, non? Y'a le freezer qui respawn, il vient pas sur nous. C'est fini, hein. Let's go! GG, mais comment t'as fait pour tuer les 5 Gaara? Bah en gros, y'avait les 3... En fait, je t'explique. Gaara, son principe, c'est qu'il met des flaques de sable. Ouais. Et quand il y a des flaques de sable, il peut activer son ulti et ça fait des dégâts de zinzin et ça stun. Ouais, c'est la dinguerie, frère. Il y avait 3 mecs qui étaient alignés. En fait, j'ai mis ma flaque de sable, j'ai ulti, ils sont tous morts. Ouais, c'est la dinguerie. Comment ça, t'as MVP alors j'ai plus de kills que toi? Oh, Gaara MVP, frère. Oh, l'animation, elle est incroyable. Ouais, ouais, et quand même, graphiquement, les gars, le jeu est beau. Il est très très beau, les frères. Hein. Ouais. Graphiquement, le jeu est très très beau. Il est bien réussi. Oh, 12 kills. Attends, mais moi, j'ai fait combien de kills? J'en ai fait que 8. T'as 8, t'as 8. Je suis 3ème, mais bien joué. 13 kills côté Usopp, Gaara 12 kills et moi-même 8 kills. Franchement, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Franchement, je vous mets des pouces en l'air. Alors, je mets des pouces en l'air, les gars. Oh, c'est vrai qu'on peut mettre des pouces sur le jeu, j'avais compris. Ah, j'avais zappé. Bien, wesh, bien, wesh. En tout cas, les gars, je sais pas derrière l'écran, vous, ce que vous en pensez. Moi, je trouve que le jeu est vraiment stylé de ouf. Voilà, je découvre, les amis, en 2023, les MOBA. Moi, je kiffe de fou. Il est jamais trop tard, effectivement. Et le côté aussi manga, technique. Après, faut que j'essaie de trouver les stratégies et tout parce que j'ai pas encore les bases d'un MOBA. Mais en tout cas, voilà, je kiffe de ouf. Et voilà, dites-nous dans l'espace commentaire si vous en voulez plus en termes de vidéos, en termes de live également. Parce qu'on vous en a fait déjà de live. Je pense, à mon avis, je vous ferai une petite compilation et je la mettrai sur la chaîne. Et voilà quoi. Dites-le dans l'espace commentaire et puis de toute façon nous on va vous laisser sur ça. Ce sera plus simple pour moi pour ressortir la vidéo parce que sinon je m'arrêterai jamais. Sinon je vais vraiment continuer jusqu'au bout. Et puis voilà quoi. On remercie mille fois Kaku et Elwing du coup de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. Merci Kaku, merci Elwing. Encore merci Kaku du coup de m'avoir fait télécharger le jeu. Je vous mets dans l'espace description son lien pour que vous puissiez bah, du coup l'installer si jamais vous voulez tenter de l'installer. Sinon bah, si jamais on atteint l'objectif de pouce bleu, je vous ferai une vidéo tuto ou autre, on verra bien. Bref, merci mille fois les amis, des cœurs, merci, des boussa, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Des boussa l'équipe, ciao, ciao l'équipe, ciao. Allez ciao, merci pour l'invite.